Valérie Lermercier séparée d'un célèbre musicien, il livre des confidences déchirantes sur elle. TMC diffuse Palais Royal, comédie signée Valérie Lermercier. L'occasion de revenir sur son idylle avec un célèbre musicien. Au sujet de l'actrice, cet ex avait fait quelques tristes confidences. Valérie Lemercier, que l'on retrouve ce jeudi 25 août dans Palais Royal, sur TMC, a toujours été très discrète sur ses relations amoureuses. La réalisatrice qui s'est glissée dans la peau de Céline Dion, le temps d'un film intitulé Aline, en novembre 2021 en salle, a évoqué le nouvel homme de sa vie dans un entretien avec Catherine Sellac, ex-Thé ou Café, pour Gala. Avant cela, la cinéaste de sa... À partir de cet instant, elle est devenue paralysée par son physique malgré d'énormes capacités de comédienne. Son métier est très prenant. Valérie Lemercier avoue qu'elle recherche du coup la différence chez l'autre. La cinéaste évite donc de partager sa vie avec un acteur. C'est compliqué pour l'autre de se demander s'il doit ou ne doit pas être sur la photo. Je ne suis jamais sortie avec un acteur. Un homme qui pourrait trop être dans la séduction ne me séduit pas, avait-elle expliqué à Gala, en novembre 2021. Équilibrée, c'est partager un peu plus que d'habitude. J'ai passé beaucoup de temps à ne jamais dire ce que je faisais. À ne jamais parler de mon métier dans l'intimité, parce que cela pouvait nuire ou embêter. Ne pas dire que j'allais faire des photos, ou jouer ceci ou cela, a-t-elle déploré. Elle en profitait aussi pour évoquer la possibilité de se marier, car elle ne l'a jamais fait. Une idée qui n'était pas encore évoquée, dans son couple puisqu'elle commençait tout juste cette nouvelle idylle. C'est dans ma tête. Je suis romantique, voilà. Je me dis pourquoi pas un jour, s'il vous plaît, ne titrez pas sur cela. Je suis un peu à l'ancienne, je préfère qu'on me le demande, a-t-elle simplement déclaré.